Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'en suis convaincu. Du fond de mon cœur. Que je réussirai. Je réussirai un jour. Ah!
vous asseoir. Peuple béni de l'Éternel, unissons-nous dans cette prière. Père, nous te disons merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu fus le Dieu de nos prédécesseurs. Et tu demeures le même Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras guère. Tel que tu es, tu demeures le même. L'heure a sonné pour que tu parles. Et depuis les âges, ce sont des personnes que tu utilises. Et tu as vu encore les moindres de tes coupes. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais à cause de ta grâce. Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel que tu voudrais nous utiliser. Père, nous t'en supplions, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Pendant que la parole sort, qu'elle délivre une âme de l'enfer à la vie éternelle. Pendant que la parole sort, qu'elle guérisse, qu'elle délivre, qu'elle libère, qu'elle change l'histoire de quelqu'un jusqu'à la fin. Que les signes et miracles s'accomplissent dans la vie de ton peuple et que les derniers aient leur histoire transformée. Merci Père, infiniment merci Père. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, Jésus vous bénit. Et partout où tu es, à travers Jésus, je vous souhaite la bienvenue. C'est encore le programme du troisième mois de l'année 2022. Et j'en suis convaincu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les trois identités accompliront des miracles, des mystères cette semaine. Et les maladies incurables seront guéries. Les maladies mortelles seront transformées en vie. Les malédictions seront transformées en bénédiction. Les processions en prospérité. Honte, le mépris et la diffamation, l'Éternel les transformera en bénédiction dans ta vie. Un peuple béni et précieux de Dieu dit alléluia. Amen. 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 Nous allons humblement prendre nos Bibles et lire. Nous allons lire dans les psaumes numéro 121, le verset premier. Les deux premiers versets. Psaume numéro 121. Les versets 1er et 2. Amen. Amen. Psaume numéro 121, les versets 1er et 2 nous disent: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est quelqu'un qui parle dans ce passage. Et celui qui parle ici, c'est notre aïeul David. David, qui est-il? Oh, praise God. Alléluia. David. David. Il est roi. Et au moment où il entonnait ses cantiques, il n'était pas encore roi. Mais il a été oint. Et il traversait des difficultés en ce moment-là. David, David était un homme de taille courte, de teint clair, et il était aussi un velu. Et la Bible nous dit qu'il était aimé par son père. Et Dieu aussi l'aimait. Il amenait les brebis de son papa au pâturage. Il est quelqu'un qui aime l'adoration de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il adorait Dieu 7 fois par jour. Et quand il amène les brebis dans la brousse, et que les brebis se reposent sous les arbres, lui aussi se repose sous les arbres. Et c'est là qu'il commence à nouveau par adorer Dieu. Il commence par chanter en honneur de Dieu. Il commence par le remercier. Et il n'avait pas vu qu'il était en train de souffrir. Il était une personne de misère. Même dans ces moments misérables, il était toujours bien avec Dieu. Dieu a vu ce cœur et il s'est dit qu'il doit faire du bien à ce jeune homme. Parce qu'il est différent parmi les enfants de ton père. Répondez fortement Amen. Amen. Plus fort Amen. Alléluia. Amen. Quiconque décide d'adorer Dieu d'un cœur sincère, laissez-moi vous dire que Dieu finit toujours par bénir cette personne. Yeah. Dieu voyait son cœur. Qui est donc ce fils d'Isaïe là? Je dois bénir cet homme. Et un jour, il parla à un serviteur de Dieu, Samuel. Il dit au prophète Samuel d'aller loindre. Et il dit, si j'y vais pour loindre, Saül me tuera. Il dit, prends la brebis. Prends la corne. Prends l'huile. Et va chez lui. Va lui dire que tu t'en vas offrir un sacrifice dans la maison d'Isaï. Et en vérité, il l'a exécuté tel que reçu. Et c'est Dieu lui-même qui lui a donné les consignes, les conseils nécessaires pour qu'il échappe la mort. Si tel n'était pas le cas, il allait être tué. En vérité, il a obéi aux consignes de Dieu. Écoutez quelque chose. Oh, praise God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il est allé dans la maison. David
David à qui allait recevoir l'onction n'était pas là. Il n'était pas dans la maison. Il a encore amené les brebis au pâturage. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était encore au pâturage, quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? On a placé d'autres personnes. Et c'était ses frères. Lui, il a été pris. Et lui, il a été pris et a été essayé d'être renversé sur eux. Et si quelqu'un s'agenouille et que la corne est renversée, la corne était bien sûr ouverte. Mais il n'y avait pas de goutte d'huile qui jaillissait. Parce que le propriétaire de cette huile n'était pas présent dans la maison. Je m'en vais te dire. Le monde peut tout faire. Ce qui t'appartient, le ciel te le donnera. Quel que soit l'effort du monde spirituellement, que ce soit physiquement, je t'annonce, jamais ils ne peuvent intervertir le plan de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, cela s'accomplira dans ta vie. Répondez plus fort, amen. Si même tu es là pour la première fois, réponds plus fort. Alléluia. Amen. Cette prophétie, qu'elle s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Et l'huile n'a point jailli. Niet. Il n'y a même point eu de goutte d'huile qui est jaillie. Et les sept fils se sont passés. Ils étaient jolis à voir. Ils étaient costauds. Ils étaient aussi de tes clairs. Ils étaient des velus. Et Samuel a pensé que c'était eux. Eh bien, le propriétaire de la chose même était dans la brousse. Et il demanda. Isaïe, est-ce là tous tes fils? Il répondit oui. C'est là mes fils. Ce n'est qu'un garçonné qui est encore là. Et lui, il est actuellement dans la brousse au pâturage avec les brebis. Et c'est lui qui est le berger dans la brousse de l'autre côté. Il dit d'accord. Le sacrifice que nous venons de faire, nous pourrions commencer par manger. En entendant qu'ils reviennent. Et le prophète a dit, niet, n'allons pas manger. Il doit revenir d'abord. C'est lui que je dois voir avant de manger. Je dois le voir avant de manger. Et la Bible nous dit, quelque chose a lieu. David a été appelé comme quoi tu es recherché à la maison. Et il prit sa houlette. La houlette par laquelle il dirigeait les brebis. Sa gourde qu'il avait accrochée. Ses souliers qu'il avait portés. Les souliers sales. Lorsqu'il est revenu, il a jeté ses choses de côté. Il avait vu les gens rassemblés dans la maison. Papa, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, on est venu pour offrir un sacrifice. Et tout a été fait. Et c'était toi seul qui restais, qui manquais. Et c'est toi qu'on cherche. Voilà pourquoi on te demande de venir. C'est toi que l'Éternel cherche. C'est toi que l'Éternel recherche. Et cette semaine t'appartient. Cette semaine c'est ta guérison. C'est ta bénédiction cette semaine. Amen. Une personne bénie dise amen. C'est exactement toi que l'Éternel cherche. Et la Bible nous dit que quelque chose a lieu. Vous savez ce qui s'est passé? Isaïe dit, mon fils, le Benjamin dont je parlais, c'est lui qui vient d'arriver. Et on lui a demandé de venir s'agenouiller. Jusqu'à ce qu'il ne...
fille. La corne a été prise. Jusqu'à ce qu'on ne renverse l'une. Il a commencé par sortir avec action. Hallelujah. Amen. Je le dis une deuxième fois. Le monde ne peut jamais changer le plan de Dieu pour ta vie. Si un démon voudrait le changer, le ciel le transforme aujourd'hui. C'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Qu'un sorcier le veuille, qu'un démon le veuille, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira dans ma vie. C'est le projet de l'Éternel qui s'accomplira dans ma vie. Le projet de l'Éternel. Le projet de l'Éternel. Le projet de l'Éternel, c'est le bonheur. C'est la bonne santé. C'est la prospérité. C'est l'évolution. C'est la bénédiction. Et l'Éternel te le fera. Et David. La Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Il y a eu une bataille. Après qu'il soit un, il y a eu une bataille en Israël. Oh, alléluia. Amen. Ils sont allés sur le champ de bataille. Et les Philistins affrontaient les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de terrain, le champ de guerre, les Philistins étaient de l'autre côté. Et les enfants d'Israël de ce côté. Il y avait un homme devant les Philistins et qui se moquait. Qui est Israël? Le peuple de l'Éternel. S'il y a quelqu'un que la personne ose sortir, et je me démontrerai à la personne. Je suis Goliath. Depuis mon enfance, je combats. Cet homme qui parlait était un homme élégant, très élancé. Il avait porté les cuirasses. Et les enfants d'Israël s'étaient cachés. Et David est sorti. Et son papa l'avait envoyé d'amener de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Et la famille dans laquelle il était né, c'était une famille de misère, une famille pauvre. Son papa ne l'avait pas donné un aliment précieux, une nourriture précieuse d'aller donner à ses frères. Et lorsqu'il était arrivé, tous ses frères étaient cachés dans la brousse. Et l'homme est encore sorti. Et il a commencé par ordonner. Il tenait les menaces à qui est Israël? Le peuple de l'Éternel. Je me suis levé. Si quelqu'un est fort, que la personne sorte, je vais voir. Et David a dit, ah, mes frères, lui-là, qui est-il? Qui est ce dernier qui est en train de ridiculiser de l'Éternel de cette manière? Qui est celui-là qui ridiculise l'Éternel de cette manière? Cet homme incirconcis, permettez-moi de l'affronter. Et ses frères lui ont dit, ah, ce que tu as l'habitude de faire à la maison là, n'ose pas le faire ici, hein. Il est j'irai. Karabayanda. J'irai. J'irai. Mais je n'irai pas en ma force. J'irai au nom de l'Éternel. J'irai au nom de l'Éternel. Et cette semaine, au nom de l'Éternel, tu vaincras et tu vaincras encore. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de l'Éternel, j'irai. Et tout ce que l'on fait, ce n'est pas en ton propre nom, mais pas en ton intelligence, pas en ta force, et que les gens auraient peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut réussir? Mais toi, tu sais que c'est l'Éternel qui est derrière toi. Alors ne crains pas.
Ne crains pas. Ne crains pas. Je suis avec toi pour toujours. Ne crains pas. Avoir peur. Paniquer. Et tu seras effaré. Christoto. Chrétien. David, David a dit, cet homme, j'affronterai cet homme au nom de l'Éternel. Et en vérité, quelque chose a lieu. Et la Bible nous dit, lorsque Paul est appris cela, Saül est appris cela, Saül a envoyé à ce qu'on l'appelle. Et il a été appelé. Et il lui donna ses chaussures, ses cuirasses de porter. Et bien, Saül était une personne élancée. Et David était une personne de taille courte. Et il lui a porté ses cuirasses. Et il a essayé de marcher, il y avait un poids lourd qui était derrière lui. Il a dit non. Je n'ai pas besoin de ces cuirasses, de ces armures. Il les a enlevées. Et il a pris juste sa fronde. Il a pris trois pierres. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il les a pris. Il a mis une première pierre dans la fronde. Et il avançait. Et David l'ayant vu, lorsque Goliath l'a vu, Goliath a commencé par avoir peur. Mais il s'est dit, ah, ce petit garçon-là, suis-je un chien pour que tu avances vers moi avec des pierres? Parce que très souvent, on lapide les chiens. Toi, garçon, je te tuerai. Je couperai ta tête, je te décapiterai. Et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Il dit, toi, tu as pris la lance. Et le javelot, les instruments de guerre. Les boucliers. Tu as porté des cuirasses. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Alors maintenant, amen. Au nom de l'Éternel. Et il lança la pierre. La pierre dans l'air est allée percer le front de Goliath et est entrée dans son crâne. Il a commencé par aller doucement au sol. Il gesticulait par arrière. Et son équipe disait, son cortège de guerre qui l'accompagnait, il se disait que notre chef est en train d'adopter une nouvelle stratégie de combat. Eh bien, le chef, il était en train de mourir. Amen. Tous ceux qui te persécutent cette semaine, ces choses vont partir. Tous ceux qui t'affrontent, ces choses vont partir. Jésus les vaincra dans ta vie. Amen. Peuple précieux, répondez amen. Alléluia. Amen. Et d'un seul coup, il est tombé au sol. Lorsqu'il est tombé au sol, ses frères sont allés le voir. Et il y a une autre réalité qui était en place. Et c'est là qu'ils ont commencé par courir. Ils se sont dispersés sur le champ. David a dit, attendez. Et David est allé vers lui. Et l'épée que Goliath lui-même il portait, et il disait qu'il va décapiter David avec cette épée. David a pris donc cette épée et il l'a décapité. Il prit sa tête et le souleva en l'air.
Et tous les enfants d'Israël sont sortis de la brousse. Ayant appris cela, la peur les a quittés. Il y a une onction. Elle arrache la peur de l'homme. Que le ciel vous accorde cette onction. Une onction autoritaire. Et cette semaine, que l'Éternel te l'accorde. Le ciel te l'accorde. Le Saint-Esprit vous l'accorde. Alléluia. Amen. Amen. L'onction qui arrache la peur de l'homme. Cette onction qui réconforte l'homme. Cette onction qui rassure l'homme. C'est cette onction-là qui était sur David. Alléluia. Amen. Et il y a eu des cris en Israël. Il dit, ah, David est là. David. David a tué 10 000 et Saül a tué 1 000. David a tué 10 000 et Saül a tué 1 000. Et c'est là David a commencé par rencontrer des difficultés. Il a commencé par vivre des persécutions. Saül a commencé par le persécuter. Où dois-je rester? Il était déterminé à le tuer. Il le cherchait. Pour le tuer. Et David ne savait plus quoi faire. Cette bataille au cours de laquelle Dieu l'a utilisé pour accorder la victoire à Israël, le remerciement qu'il devait recevoir, c'est qu'il voulait en retour le tuer. Il a commencé par fuir. Jusqu'au moment où il est allé se cacher sous une montagne quelque part. Il y avait une grotte en dessous de cette montagne. Et il est allé se cacher dans cette grotte. Dans l'intention qu'on ne le trouve point. Saül et son équipe sont rentrés dans la bourse et ils étaient à la recherche de David. C'est en dessous de cette montagne qu'il chantait, je lève mes yeux vers les montagnes. 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 Simplement parler.
était en dessous d'une grande montagne. Et il dit, d'où me viendra le secours? Et lui-même a encore répondu, mon secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Ceux qui ont confiance aux hommes, ceux qui ont confiance en l'argent, ceux qui ont confiance en leur position, en leur rang social, ceux qui ont confiance en leur papa, aux personnes distinguées, ils sont toujours confus. Mais si tu gardes confiance en l'Éternel, jamais tu ne seras couvert de honte. Mais c'est amen. Réponds plus fort, amen. Enfin, le Dieu béni, on ne va pas t'obliger à répondre, amen. Alors si tu gardes confiance en l'Éternel, si tu gardes confiance en Dieu, jamais tu ne seras couvert de honte. Alors David, lorsqu'il était sous cette montagne, quelque chose s'est passé. Saül se promenait dans la brousse. Il avait senti le besoin de faire les selles. Et puisque c'était dans une brousse, il s'est caché quelque part pour faire d'abord les selles. La fosse dans laquelle David s'était caché, il est allé s'accroupir au bord de cette fosse-là pour faire les selles. Oh, Éternel, par où vais-je passer? La fosse dans laquelle il s'est caché, en dessous de cette montagne, au bord de cette fosse, c'est là que Saül est allé s'accroupir. Et il faisait les selles. Et il disait, il se compressait. Et David était là. Les selles tombaient à côté de lui. Les selles tombaient à côté de lui. Il n'avait pas de choix. Il était question de courage. Mais cette personne-là était une personne bénie. Mais Dieu a permis à ce qu'il traverse de telles difficultés. Il est un roi, un grand roi. Il est une personne bénie. Mais Dieu a permis à ce qu'il traverse de telles situations. Tu traverses les difficultés. Eh bien, tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Laisse-moi t'annoncer qu'une personne bénie aussi traverse les difficultés. Une personne précieuse aussi traverse les difficultés. Alors l'heure a sonné pour que tu sois libéré de tes épreuves. Réponds plus fort, amen. Réponds fortement, amen. Amen, amen, amen. Les selles tombaient. Les selles tombaient. Jusqu'au moment où David a envoyé sa main et il a tenu le manteau de Saül et il a coupé le pan de son manteau. Parce qu'à l'époque, David pouvait l'exterminer, il pouvait facilement l'éliminer. Là où il était, pendant le moment où il était en train de faire les selles, il allait le poignarder par son épée. Mais il a juste coupé le pan du vêtement. La chanson, les cantiques qu'il avait entendues. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et quand tu lis le petit thème, il est dit, Dieu est le vrai protecteur. Et
La grotte dans laquelle David s'était caché, son ennemi était venu au bord de cette grotte-là pour faire encore les selles. Et c'était Saül qui l'avait vu là. Il allait appeler son équipe pour qu'on vienne l'exterminer. Mais il était encore là. Il a dit, ô Éternel, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il a fini de faire les selles. Lorsqu'il a porté cette nuit, il continuait son voyage. David est sorti de la grotte. Il l'appela Saül. S'il te plaît, regarde le pan de ton vêtement. Et il l'a vu. Et il a constaté que le pan de son vêtement était coupé. Et David lui montra le morceau du pan de son vêtement qu'il avait coupé. Et il lui disait, vois, regarde. L'Éternel t'a quand même livré. Mais je ne t'ai fait aucun mal. Oh, amen. Amen. L'Éternel te livrera ton ennemi. L'Éternel te livrera tes ennemis. Amen. Répondez amen. Mais je voudrais dire à un chrétien, si tu es chrétien et tu ne veux pas traverser des difficultés, jamais tu ne grandiras. David constituait le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Il a traversé des difficultés. Regardez un peu la difficulté qu'il a traversée. Avant que tu n'atteignes ton bonheur, tu vas traverser pas mal d'épreuves. Spirituellement, comme physiquement, tu traverseras des épreuves. Mais écoute bien, jamais tu ne périras dans tes épreuves. Tu ne périras dans tes épreuves. Si Dieu a délivré notre aïeul David, ce soir, Dieu t'en délivre. Également. Que ce soit une maladie, que ce soit l'infécondité, que ce soit le célibat, la pauvreté, la persécution des sorciers, quoi que tu traverses, et tu as tes pieds dans ce camp, si vraiment Dieu a délivré nos prédécesseurs, déclare, c'est moi qu'il sauvera ce soir. Dis-toi avec autorité et conviction. Éternel, c'est moi dans l'oignon sans dire que tu délivreras ce soir. Amen. Que les saints répondent amen. Le cantique que David a entonné dans ce passage, ce n'était pas de simples paroles. C'est effectivement quelque chose qui a lieu. Et le troisième verset nous dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Au moment où Saül venait, l'Éternel a couvert David dans la fosse par sa puissante main. Les prédécesseurs qui ont sincèrement aimé Dieu, certains d'entre eux ont vraiment souffert. Amen. Quelqu'un a juste fait du bien. Il a été persécuté au point où il est allé se cacher dans la brousse. Et ils l'ont encore suivi dans la brousse. Dieu a permis. Et la grotte dans laquelle il s'est couché en dessous de la montagne, c'était au bord de cette grotte-là que son ennemi faisait encore les selles. Et les selles tombaient à côté de lui. Et ça puait, ça dégageait une odeur nauséabonde. Mais il n'avait pas même l'audace de pouvoir tousser. Il ne pouvait pas faire de moindre bruit. S'il ose parler, il sera tué. Il a pris le courage à deux mains. Et il a supporté toute odeur. Mais lorsqu'il est sorti, David est fier. David, après ses épreuves, fut roi. Après tes souffrances, à travers ce camp où tu es arrivé, Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. L'Éternel t'élèvera. Alléluia. Amen.
Hallelujah. Amen. Alors je réconforte encore tous les chrétiens, nous qui traversons les difficultés, et tu as perdu espoir. Les prédécesseurs ont traversé les difficultés. Et c'est dans ce thème-là que nous allons rester cette semaine. Et s'il y en a qui ne connaissent pas cette chanson, nous allons tous l'apprendre en même temps. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je cherche de secours. Je ne sais pas où me viendra le secours. Et je sais que toi, l'éternel créateur des cieux et de la terre, mon secours me vient de toi. C'est pourquoi ce soir, tout ce que je traverse, que ce soit spirituellement ou physiquement, que la situation parte maintenant, qu'elle parte. Oh,
Nous avons crié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. David. Et David avait un avenir meilleur qu'il attendait. Et c'est pour cette raison-là David que l'ennemi l'a persécuté au point où il est allé rester sur la montagne, dans les brousses. Bien-aimé, partout où tu es. Et le monde s'est levé contre ta vie. Et tu traverses les difficultés avant d'arriver dans ce camp. Tu réussiras au-delà de tes imaginations. Je dis que tu réussiras au-delà de tes imaginations. Ce qui se trouve dans la pensée de l'ennemi, c'est que lorsque tu mourras, ils verront par où le plan de Dieu s'accomplira encore dans ta vie. Alors déclare avec moi, Éternel. Toute mort prématurée. Que l'ennemi élabore, planifie contre ma vie. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Pour que ton projet pour ma vie ne s'accomplisse point. L'ennemi a menti, l'ennemi a menti. Écrase les projets de l'ennemi. Que tout le monde prie avec autorité. Écoute à coup toute catégorie de mort. La mort promenade des sorciers. La mort spirituelle. Quel type de mort? Au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. David. Alors David. Alors David a vécu, il a connu une longévité au point où il était le grand-papa de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu as une meilleure promesse dans ta vie. Mais l'ennemi voudrait te détruire. Déclare, Éternel, cela ne s'accomplira pas. Et Dieu avait des promesses de bénédiction à l'endroit de David. Et David, c'est lui qui a vécu sur étage. Et il dit, l'arche de l'alliance de l'Éternel était donc sous un hangar. Et il faut qu'on bâtisse un temple. Mais c'est cette personne-là qui allait périr dans la course. Alors, tu as un bon ministère à rendre pour Dieu dans ta vie. Alors, répète, Éternel. Je n'ai pas encore travaillé pour toi. Je ne t'ai pas encore servi. Afin de périr entre les mains des méchants. Les bonnes choses qui m'attendent. Si ce sont ces bonnes choses que l'ennemi a vues et celles-là accorde-moi la victoire et ramène-moi mes bénédictions. Combat.
Accorde la victoire et restitue-moi mes bénédictions. Prie avec autorité. Que Dieu t'accorde la victoire et qu'il te ramène tes bénédictions. Éternel, les bonnes choses, les meilleures promesses que tu as pour nous, tes projets pour nos vies, ce que nous avions à faire pour toi, Éternel, l'ennemi l'a vu et il passe des nuits blanches contre nos vies pour contre la bénédiction que tu as promise. Et il faut si ce sont ces bénédictions là que l'ennemi voit et il faut servir comme quoi nous voulons travailler pour toi et il s'est levé spirituellement, il s'est physiquement. Jésus combat, Saint-Esprit combat, ciel combat, Sorianda Baika. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Parfois, quand un enfant de Dieu traverse des difficultés, cela constitue une honte pour Dieu lui-même. Cela constitue également la honte pour l'enfant de Dieu. Si David n'avait pas été trouvé pour affronter Goliath, les enfants d'Israël allaient périr dans la honte. Alors, ce que tu traverses, Jésus affrontera la situation. Tout ce qui t'affronte. Et se dit, n'est-ce pas toi qui dis que tu es chrétien? Tu ne vois pas ce que tu traverses maintenant? Jésus affrontera la chose. C'est pourquoi toi et moi nous allons prier. Il y a un Goliath spirituel dans ta vie qui commande, qui te menace, comme quoi tu ne réussiras jamais. Déclare, il a menti. Seigneur Jésus, tout ce qui affronte ma vie, m'empêchant d'avancer, m'empêchant de jouir de ma vie, écrase la chose cette nuit. Écrase la chose cette nuit. Et avec autorité. Oh, ma soro boche cabra. Zera maïa. Ma soro Écoutez-moi s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui a chassé David au point où il est rentré dans la brousse? C'est l'envie. Nous allons prier. L'envie persécute farouchement certaines personnes. Une envie très dangereuse. C'est cette envie-là qui persécute ta vie. À la répète éternelle, toute catégorie d'envie ayant vu quelque chose en moi et qui me persécute, comme quoi jamais la chose ne s'accomplira dans ma vie, éternel est. Écrase l'esprit d'envie. Et écrase les envieux. Écrase l'esprit d'envie. Et détruis les envieux. Éternel des armées. Cette nuit. Écrase l'esprit d'envie. Et écrase les envieux. Écrase l'esprit d'envie. Et détruis les envieux. Maintenant, cet esprit. Écrase l'esprit d'envie. Au nom de Jésus. Amen. Peuple béni, dites amen. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. Qu'il y avait une grâce de bénédiction dans la vie de David. L'ennemi ne voudrait pas voir cette bénédiction concrétisée dans la vie de David. Une minute, nous allons encore prier. Dieu va encore t'élever. Et après ton départ de camp, ta bénédiction sera grande. Tout ce qui ne voudrait pas le voir, Dieu écrasera la chose. Alors répète avec moi, éternel. Tout ce qui empêche mes bonheurs, tout ce qui scandalise mon évolution, ma bénédiction, éternel, écrase la chose cette nuit. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui me scandalise, éternel, écrase la chose. Que l'Éternel les écrase. Après ton départ de ce camp, les réveils avant mes bien. Après ce réveil spirituel, y a ira au même moment vous. La porte de bénédiction s'ouvre dans ta vie. Et nous m'adjoignons et la gloire. Que du mystère s'accomplisse dans ta vie. Le Jésus peut commencer. Au nom de Jésus. Amen. Tiens, on est amen. Élu de Dieu, répondez amen. Alléluia. Bienvenue, Georgina. Vous me faites vraiment plaisir. Et j'en suis convaincu que Dieu est aussi en grand plaisir. Nous allons prier pour une requête très importante.
Si l'ennemi adopte des stratégies en vain, il va te frapper par des maladies. Et tu feras des bilans de santé sans diagnostic. Ou peut-être, lorsque la maladie sera diagnostiquée, les médecins te diront que c'est une maladie mortelle. Parce qu'il y a encore du travail qui t'attend, pour cette raison-là, tu ne mourras pas. C'est vrai qu'un jour nous allons mourir. Mais répète avec moi, Éternel. Toute catégorie de maladies qui se trouve dans mon corps, que ces maladies plus bagailles, les maladies incurables qui se trouvent dans ma vie, dans la vie de mon épouse et de mes enfants, Éternel des armées, je demande la guérison. Jésus, viens guérir. Père, viens guérir. Saint-Esprit, viens guérir. Jésus-Christ, viens guérir. David, Père de David, viens guérir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Levons nos deux mains. L'ennemi ne voudrait pas voir ce projet s'accomplir. Nuit et jour, tu traverses des difficultés. J'en vois le Saint-Esprit maintenant même. Partout où tu es, femme, Dieu a un bon projet pour ta vie. Dans la vie des enfants de ta mère, dans la vie des enfants de ton père, jeune homme, Dieu a de grandes promesses dans ta vie. Aujourd'hui, mais gagner David, ce n'est plus David, oh ouais, mais c'est toi. Une bénédiction insondable. Dieu a une promesse bénédiction dans ta vie. Une dangereuse onction que Dieu t'a accordée. Partout où tu es, j'envoie le Saint-Esprit maintenant même qu'il te prenne et qu'il t'amène devant ici. L'onction de courage maintenant même, cette onction éternelle maintenant même, agis, agis, agis. David, va, l'onction de David, Eva, elle est descendue, Eva, elle
L'Éternel est descendu. Elle est descendue. Elle est descendue. L'onction du triomphe sur les ennemis. L'onction de bénédiction. Hey. Aranda. L'onction de combat. Hey, ne pas Dieu vivre là. Reçois cette onction maintenant. L'esprit de Dieu. Elle est sans. Est en train d'agir. Elle est sans. Agit. Elle est sans. Il agit. Elle est sans. Il agit. Raboka. Yande by Catalobo Yanda. Now, many let Jan Yahoudia Sosik, they want to know me the Fima. Si y'a des gens, they want to know me the Fima. Si y'a des gens qui reçoivent des livrances à côté de toi, compile rapidement les chaises qui sont dans ta zone. Saint-Esprit, maintenant même. Sur la bataille à terre. Agis dans ce temple. Ah ah. Oui. Certains d'entre vous ici, parmi les enfants de ton père, la bénédiction de Dieu se trouve dans ta vie. Mais les méchants se sont levés. Ils ont menti. Cette bénédiction portera chair. Maintenant même, c'est toi que Dieu a vu. Parmi les enfants de ta mère, c'est toi que Dieu a vu. Saint Esprit agit. Agis. 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 Masoro Boborobo. Salendo Kabayanda. Minotom. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est donc la dangereuse prière. C'est la dangereuse prière par laquelle Dieu se manifestera cette semaine. Alors ce sera un programme de prière hors du commun. Alors un miracle s'accomplira dans ta vie. D'habitude tu viens dans ce camp, mais il y a une différence dans ce programme. C'est un programme de mystère. Maintenant même, un miracle s'accomplit dans ta vie. Partout où tu es dans ce camp, à travers le monde entier, tu me vois, tu m'entends. Maintenant même, l'onction qui a affronté Goliath, l'onction qui accomplit des combats, reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction. Reçois-la. 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 Quelque chose est en cours. Les portes me s'ouvrent. Les maladies mortelles partent. Les maladies de pauvreté partent. Les années de vie restantes. Tu jouiras de ta vie. Sors de liens maintenant. Sors de persécution. Sors de problèmes. Maintenant même. Saint Esprit agit. 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 Seriando karabayanda shata. Allez Yehova dongbe. La façon dont l'Éternel. Que ce programme sera un programme puissant. C'est ce qui vient de commencer. Et toi qui es arrivé dans ce camp cette semaine, tu seras distingué parmi les enfants de ta mère. Un mystère qui n'a jamais lieu. Ce mystère s'accomplit dans ta vie. Reçois maintenant ton miracle. Reçois ton miracle. Il y en a parmi vous ici. Vous n'aviez pas encore travaillé pour Dieu. Mais les méchants voudraient que vous mouriez. Sors du cercueil. Sors du cercueil. Sors du cercueil. Sors du tombeau. Maintenant même. Yaira Wava. Ta bénédiction est descendue. Yaira Wava. Ta bénédiction est descendue. Ta bénédiction est descendue. Ta bénédiction est descendue. Ta bénédiction est descendue. Il y en a d'entre vous qui vont travailler pour Dieu. Dieu va vous libérer de la pauvreté.
Et vous allez servir Dieu avec vos biens matériels. Et toi, tu fais partie de ces personnes bénies. Alors, partout où tu es, une grande bénédiction. La bénédiction en face de laquelle les gens ne peuvent se tenir. C'est toi que Dieu voudra élever. Le Saint-Esprit te localise en ce temps. Reçois cette bénédiction. Balendeka, Maubame, âme de Dieu. Oya irakbekbeya. Reçois cette grande bénédiction. Maouvi, enfant de Dieu. Oya irakbekbeya. Reçois cette bénédiction. Nyonu, oya irakbekbeya. Reçois cette bénédiction. Wuchu, oya irakbekbeya. Âme, reçois cette bénédiction. Hoseto, oya irakbekbeya. Chrétien, reçois cette bénédiction. Bisiavi milenakikeya. Partout où vous êtes dans ce monde. Oya irakbekbeya. Recevez la grande bénédiction. Recevez la grande bénédiction. Recevez la grande bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour vous. Que la mort vous soit transformée en vie. La malédiction en bénédiction. La fixité en évolution. La récession en prospérité. Que l'endettement quitte votre vie. Que le célibat soit transformé en mariage. Le chômage en travail. L'infécondité en fécondité. La fixité en évolution. La récession se transforme en prospérité. Les malédictions se transforment en bénédiction. La mort se transforme en vie. L'instabilité conjugale se transforme en stabilité conjugale. La promesse de Dieu pour ta vie, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans votre vie. Qu'elle s'accomplisse dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont malades, placez les mains sur vos maladies. Alors partout où vous avez mal, il avait guéri. Et il va encore guérir. Tout puissant, tu guéris toute catégorie de maladies. Lorsque tu as un plan, un projet pour cet homme, pour ce jeune homme, cette fille, cette femme, cet enfant, avant que cette dangereuse maladie ne se trouve dans son corps, et que nuit et jour il est rempli de douleur, comment pourrait-il te servir? Comment pourrait-il travailler pour toi? Que les maladies disparaissent maintenant. Partout où se trouve quelqu'un, le cancer dans ton crâne, que ce cancer disparaisse maintenant. La surdité, Jésus vous guérit. Le mutisme, Jésus vous guérit. Le gros cœur, Jésus vous guérit. Ton bas ventre, Jésus t'en guérit. Ta colonne vertébrale, Jésus t'en guérit. L'hémiplégie, Jésus t'en guérit. Les infections dans ton corps, Jésus t'en guérit. Le mal à dents, Jésus te guérit. Bouffée de chaleur, impuissance sexuelle, Jésus t'en guérit.
paralysie. Yes, Jésus t'en guérit. Dans tes nerfs, dans tes os, dans tes muscles, dans ton sang. Yes, Jésus t'en guérit. Le yes, au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus. L'azo, l'oligospermie. Yes, yodomi. Jésus vous guérit de toutes ces maladies. Ta colonne vertébrale. Yes, yodomi. Jésus t'en guérit. Tension. La tension artérielle. Diabète. Le diabète. Sida. Le VIH sida. Hépatite. Les hépatites. Yes, yodomi. Jésus vous guérit de ces maladies. Adetutu. Le mutisme. Djaniglo. L'épilepsie. Yes, yodomi. Jésus vous guérit de ces maladies. Ecou, les tumeurs dans ton sein. Yes, yodomi. Jésus vous guérit. Alipouto, dans les os de ta hanche. Yes, yodomi. Jésus t'en guérit. Anome. Ton bas ventre. Yes, yodomi. Jésus t'en guérit. Jimepua. La colonne vertébrale. Pribo. La paralysie. Afobedo. Les monts de pied. Anomebedo. Ton bas ventre. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Fibromane boupifila. Que les fibromes disparaissent maintenant. Et jitete. Le gros cœur. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Pribo. La paralysie ou la paraplégie. Chitena zozo. Lève-toi et marche. Pas de quatre tours. L'hémiplégie. Tension. La tension artérielle. Yes, yodomana. Guéri de cette maladie. Diabète. Le diabète. Yes, yodomana. Jésus t'en guérit. Sida. Le VIH sida. Yes, yodomana. Reçois ta guérison. Hépatite. Les hépatites. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Hodoyoyo. Recevez la guérison. Hodoyoyo. Recevez la guérison. Hodoyoyo. Recevez la guérison. Diabète bedo. Le diabète. Ne poule ontiname. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Les maladies dont tu as observé les interdits en vain de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Jésus vous guérit. Le mutisme, la surdité, l'épilepsie, l'asthme. Jésus vous guérit de ces maladies. Dans le nom de Jésus. Jésus vous guérit. Amen. 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 Oh, praise the Lord. Alléluia. Yeah, oh,
autorité. Tu peux me faire assis. Assois-toi doucement. Et continue ce chante avec autorité et dimanche. Parando cabaranda seria na labaya acho ya roa Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Yeah.
Qu'une personne bénisse dise fortement Amen. Chrétien, c'est une obligation pour toi de répondre fortement Amen. Personne bénisse, répond Amen. Alléluia. Amen. Si ton ennemi te cherchera, te chercher la nuit, le jour, l'Éternel Dieu, celui qui a caché David dans une grotte, et il l'a protégé là avec sa main, il te protégera par sa main. Alors dans ton véhicule, sur ta moto, dans le vol, dans le navire, si tu t'es couché, même si tu dors, tu es dans ton bureau, dans ton marché, même à l'école en classe, et sur le chemin en allant, l'Éternel veillera sur toi. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel te protégera. L'Éternel te protégera. Amen. Amen. Masarababababa. Shata karabaya. Il te protégera par sa main. Amen. Amen. Alors à cause du temps, nous allons recevoir les témoignages. Le secret que je voudrais encore rappeler au monde entier, le monde ne sera pas plus meilleur que ce que nous vivons actuellement. Les choses ne font qu'aller de mal en pire. Et peut-être après le Covid, il y aura encore d'autres situations pires que le Covid. Il y aura encore des situations pires que ce que nous venons de vivre. Mais dis-toi intérieurement que les choses aillent mal ou pas, moi je réussirai forcément. Aie cette idée dans ta tête. Si tel n'est pas le cas, tu serais en train de dire toujours que plus tard, les choses vont s'améliorer. Et c'est quand les situations vont changer que nous verrons comment les choses vont évoluer. Il n'y aura plus de meilleures choses dans le monde que ce que nous voyons. Les choses ne font qu'évoluer de mal en pire. Mais quelle que soit l'évolution des choses, que ta foi te rassure, que tu réussiras même dans ces moments difficiles. Et si tu crois en ces prophéties, réponds Amen. Alléluia. Amen. Alors que tu sois dans le temple ou sur la cour quelque part, tu souffrais d'une quelconque dangereuse maladie que toi-même tu connais bien avant de venir, et tout à l'heure nous avons crié, si tu as constaté que tu es guéri de ta maladie, partout où tu te trouves, n'aie pas honte, lève ta main, nous allons voir. Alors tu étais malade et tu as constaté tout à l'heure après la prière que le Seigneur Jésus t'a guéri,
Lève ta main, nous allons voir si tu as reçu ta guérison. Partout où vous avez levé les mains, signifiant que Jésus vous a guéri, n'ayez pas honte, vous et venez devant. Lève-toi et viens rendre témoignage par rapport aux œuvres que Jésus a accomplies dans ta vie. Amen. 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 Et vigne 3 ans. Et fou va va fou 3 mois tout toi. Mais quand me forme il nous s'appelle que veuve se va bloquer que lui espérer le miabo duama. Et je me va ici ma au soir buidona, au soir tiko ngolo me plan. 30 minutes me gba. Me va bureau de Kenya. Et je me va bureau de Kenya. Que ma va foi, me va foi le tevier kongadi. Et je me foi oh, échographie, on peut fouler signe trois mois, on peut jouer, oui, on peut devenir va t'y tromper. T'as on peut fouler quelque chose qui sera pour demain. Bon, on l'a ordonné. Yo, oh opération. Ordonné. Oh, ordonné. Demain, on m'a bon ouvert, mon fond. Quand on m'a va tout à dire, oh ordonné, fifi, j'ai les 3 semaines là. Voici la toile. Mercredi, oh de Calabiam. Mercredi, que va y avoir de Calabiam. Oh de Calabiam, oh ben fou. 3 semaines, on peut jouer oui, comme on a pas ordonné encore. Oh, que au baba, il ordonne quoi? Le 2020, mi-février. Le 28, on peut n'y a pas fou ça yo. Mais baba bureau de Kenya, on va quand il conduit, on peut fou 3 semaines, on peut jouer oui. Bon, on peut être baillé là, on met que. On peut baillé là, on peut pas ordonner. On peut ordonner, ok? Yo, bateau doit ordonner. Oh, bateau doit ordonner. Oh. Ta mercredi que va ya yo de Calabiam. Ye king baba va fi ya den kele o baba va. Bele se veve ngonyama. Po donyama le se men de zone ala po do monono. La nyama la no jo ton pa gbogbo mo gba sunamo. Ke mi le do gbara mo kho deliverance be se tonono. E ji ayin se be se tonono. Se tonono ye. Ke va fo ale. Ke mo va fo mo le se veve la ngoma. San. Fifi tient que mo le do gbara da. San cha mo se na veve ko pa le do gbara ngba le se veve le funa. Ye pa do gbara vo ale. Ye papa be a me si a mo le tu asi dare bo dole le dia. Ye pa le se veve a. Veve se si abu. Veve se si abu. Amen. Amen. Ye. E di jo me ma da pe na ma. E di jo me ya da o. Be dokita o be mo nu popo be ati ke mo le ngulo na ne vo mo nya be ati ke le po ya ji. Amen. E ye me va. Moi, nous ne pas de calazou, moi, nous ne pas me rôle, Yesu, mon comme. Amen. Amen. Oui, acclame très fort le Seigneur si tu veux le faire. Amen. Amen. La sœur remercie donc le Seigneur ce soir. Elle dit deux fois de suite, elle a suivi une intervention chirurgicale due à des grossesses extra-utérines. Et elle dit qu'après cela, ou après ces interventions chirurgicales, elle a toujours des douleurs au niveau de son bas-ventre. Et il faut avouer que c'est seulement le mercredi dernier aussi qu'elle a suivi les derniers soins par rapport à son intervention chirurgicale. Et elle dit depuis ces temps-là, elle a toujours les douleurs au niveau de son bas-ventre. Et également, elle sent comme s'il y a quelque chose qui bouge de temps en temps dans son ventre, comme s'il y a quelque chose qui rampe dans son ventre.
Elle traînait encore les douleurs avant de venir dans le camp ici ce soir. Et au moment où l'homme de Dieu priait, les douleurs persistaient toujours. Lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle a placé également la main sur son ventre. Et dans la prière, elle a donc constaté que les douleurs ont totalement disparu de son ventre et tout ce qui bougeait auparavant dans son ventre également, ces choses ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement guéri. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Pour assister. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors la maman tient donc à remercier Dieu ce soir. Elle dit, une première fois, elle a suivi une intervention chirurgicale parce qu'elle souffrait du fibrome. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital, on lui a enlevé cela après une opération. Mais quelques temps plus tard, après analyse, on lui a dit encore qu'il y avait des fibromes dans son ventre. Elle devrait suivre une deuxième intervention chirurgicale. Mais elle s'est dit qu'elle ne va plus le faire, mais elle est convaincue que Dieu va lui guérir de sa maladie. Et effectivement, elle traînait encore cette maladie avant de venir dans le camp ici ce soir. Et elle dit de temps en temps, elle ressent la présence de ces fibromes-là dans son ventre. Et elle pouvait même toucher son ventre ou toucher ces fibromes-là lorsqu'elle essaie de toucher le ventre. Et tout à l'heure dans la prière, au moment où l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle a placé la main sur son ventre. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les fibromes qu'elle traînait, les fibromes dont elle ressentait leur présence dans le ventre, les fibromes ont disparu. Elle sent une paix totale, une tranquillité absolue dans son ventre, ce qui signifie que ce soir, à travers la prière, le Seigneur l'a complètement guéri des fibromes qu'elle traînait avant de venir. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Cette maladie de 9 ans, Jésus l'a guéri. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alors la maman dit, depuis 9 ans, elle a souffert, elle a traîné des douleurs dans son œil gauche. Elle est allée à l'hôpital et après analyse, elle a suivi une intervention chirurgicale dans son œil gauche. Et après cela,
On lui a prescrit des verres médicaux qu'elle utilise d'habitude. Et depuis les 9 ans, elle traîne toujours des douleurs dans son œil gauche. Et en dehors de cela, elle ressentait également la présence d'une petite boule au niveau de son menton et au niveau de son oreille. Et elle dit, tout à l'heure, dans la prière, au moment où, ou bien lorsqu'elle était venue dans le camp, elle voulait se reposer et elle a enlevé les verres médicaux. Elle s'est reposée vers la fin. Elle voulait encore reprendre les verres, mais lorsque l'Esprit lui a dit de ne plus toucher ces verres-là, et elle est venue dans le temple, dans la prière. Lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle a placé la main sur sa joue. Et jusqu'à la fin de la prière, ou bien pendant la prière, elle constatait que quelque chose était en train de sortir ou de glisser légèrement en tombant de son menton. Et juste à la fin de la prière, elle a constaté également que la façon dont elle souffrait dans son œil gauche, les douleurs qu'elle craignait avant de venir, les douleurs ont disparu. La façon dont elle avait les difficultés à pouvoir voir de façon claire et nette avec l'œil gauche, elle a commencé par voir clairement et nettement. Ce qui signifie que tout à l'heure dans la prière, le Seigneur l'a complètement guérie de cette maladie qu'elle a traînée durant 9 ans. Et les boules également qu'elle traînait ont totalement disparu. Le Seigneur l'a guéri. Acclame très fort Jésus. Amen. Amen. Encore un témoignage après cette moment. Alors demain matin, le reste des concernés vont revenir. Maman, mi de kuku nuke ma wo na o. Ma wo yo donam. Do lele ke o. Eku dun e be na e da lu ji me na. Wa. Eku dun le, eku dun e be da lu ji me na. Okay. Ke nu ke ya e don ti na ka ka nte te te ji me na ka ka wo wo tri am ton ke ngbe ba fo kwa. Ji mo ku ko. Ko fo. O po nya te pe be de lu ji me na o. Ka ka enu ba ten. Ba do chi. Si de enu jonku me kunku me nene kaka le ti ameton kan gbe ye ti aba e ba ku kwa jimo pou vena ye kenu a jone vo jimo pou bato veve kemi le dugbera ye u bena e ku pata ya dugbera le ku pata be eta o ne tu kamea mu kwa deliverance zive pata le withdrawal fifi jen kan va fo kwa jimo pou finance le ka ko fo mi dugbera vo kwa Tu me fois fois dans le cas. Amen. Amen. Maman fika yo sova fiyon. Awo nyamu le twadi. Eh nyam gbo. Eduke mo so ken gbe va twadi o. Ah muso afanya. Afanya. Eh ye token gbe va. Eh fiyo bena eku be do yo so fo. Eh yenye ekpo le drum bena e damba du jime na o. Eh wo won to bena yo so di dem la meno kwa anodo akokakala ku. Wo Yesu du jina we tro ya. Amen. 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 Oh, Yesu aime les gars pouena là. Eh bien, vous voulez acclamer Jésus, alors faites-le fortement. Alléluia. Amen. Amela kudrebe et gadouele à l'homme. Elle a juste rêvé qu'elle a été mordue par un serpent. Et effectivement, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté les traces de la blessure de ce serpent-là au dos. Kakawabi, yo. Et cela s'est enflé et a même pué. Elle a traîné cette plaie-là durant 3 mois. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Mais Jésus a vaincu ce mal ce soir. Alors, si les sorciers tiennent des complots également contre toi pour te détruire, ce soir, Jésus t'a la victoire. Alléluia. Amen. Ma bena e kula no me namie. Mais de kula anome. Ela no penene alo retine ne ya. 2020 ye beke wona. 2020 ye me kula anome now. Ye ku e kula no me now 2020 ade. De o ikondi kuya. Benyi mai ikondi ku de. O mi ikondi on. Okay. Kemi vale dogbera we tura le ko kakanya be kwodo yo. E kemi va e so lundi a.
Yemule senti be ngba o npo ba vivo fa le wo npa npo be na gba ton ye veve ke mi ba ba ton veve ke elolo la no ame ele ano du sijito ay ok ke mi va mi di me le fia ke mi le dogbe da fifi dia ke mi le dogbe da fifi dia e mda si de di kwa ke be na ame se mele da si ro fi ke le ve dia e be dole le dia e be dole le di kwa npo be na gbogbo ko ke di va di ni pa e vo ni gba le sa Devant si vous va faire et quoi et boule à nous, on va laisser un corps. Amen. 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 Non, ne le fais pas légèrement, mais acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La sœur dit depuis 2020, elle a constaté qu'elle avait des boules dans son sein, ou bien une boule dans son sein droit. Et à cause de la peur, elle n'est pas allée à l'hôpital. Mais jusque-là, elle utilisait des médicaments. Elle dit que les douleurs persistaient toujours. Quand depuis hier, elle a décidé de venir dans le camp. Et effectivement, elle était arrivée. Et depuis hier, elle a développé également une fièvre. Et cette fièvre-là, durant cette fièvre, elle a constaté également que les boules qui existaient, ou bien la boule qui existait dans son sein gauche, a commencé également par lui faire mal. Elle traînait encore les douleurs jusqu'à ce soir. Dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle a placé la main sur ses deux seins. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que la boule qui était dans le sein droit depuis 2020, cette boule a totalement disparu après qu'elle ait reçu la délivrance. Et dès ce moment-là jusqu'à présent, elle se sent totalement soulagée dans son corps. Le Seigneur l'a complètement guéri. Quelqu'un acclame très fort Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Amen. Praise the Alléluia. Praise the Alléluia. Alléluia. Amen. Mekawe jile jare mounti.